Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je vous retrouve, ça va super super bien. Surtout aujourd'hui, on se retrouve pour un big, pour un méga, pour un immense haul AliExpress. J'avais trop hâte de vous en faire un. Ça fait grave longtemps qu'on n'en a pas fait un ensemble. Vous allez voir, j'ai déniché des sacrées pépites sur AliExpress, des dupes Zara, des dupes de grandes marques. Vous allez me dire, waouh, carrément, c'est topissime. Vous allez voir la beauté des articles. Incroyable. N'oubliez pas de passer par Igral. Je sais que je le répète à chaque vidéo. Ben, vous allez voir qu'il y a grave de marchands sur Igral. N'hésitez pas à regarder ma vidéo en haut. J'explique tout, tout, tout. J'ai cagnoté en un an presque 500 euros. Franchement, ça vaut grave le coup de s'inscrire. En plus, il y a 7 euros de bienvenue grâce à mon lien de parrainage. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo et à vous inscrire. Go, go, go pour la nouvelle année. Pour ceux qui ont des préjugés et qui ont peur d'AliExpress, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo YouTube juste en haut. J'explique comment trouver des pépites sur AliExpress. Vraiment, la livraison super rapide. Bon, des fois, ça dépend un petit peu des articles. Mais là, j'ai reçu entre 3 et 10, 15 jours les articles. Donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à regarder ma vidéo juste en haut pour vous aider à dénicher les bons plans d'AliExpress. Let's go pour le haul. Trop, trop hâte de vous montrer tous les articles. Donc déjà, pour commencer, première robe. Donc c'est celle-ci que je porte. Franchement, rapport qualité-prix. Incroyable, vous allez me voir dans l'écran quand je la porte, elle est sublime, trop bonne qualité, c'est vraiment de la grosse laine, donc même pour l'hiver, franchement, ça vaut le coup avec une grosse veste, des cuissardes, des chaussures, quoi que ce soit, franchement, trop 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 belle. Donc là, il y a un petit col et il y a plein plein de petits boutons, donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre de description. Les articles ne sont pas chers du tout, donc ça vaut vraiment le coup. Et elle arrive vraiment tout en bas, sauf petit hic, c'est qu'il y a une énorme fente au milieu, donc il faut vraiment faire attention. Et là, les boutons, vous voyez, si vous prenez assez large, ça va un petit peu s'ouvrir, donc prenez vraiment votre taille. Moi, il me semble que j'ai pris du M pour cette robe. J'aurais préféré prendre du S pour que ça serre un petit peu et qu'il n'y ait pas des ouvertures. Mais franchement, elle est trop belle. Elle est en plusieurs coloris. N'hésitez pas à checker les coloris. Mais vraiment magnifique, surtout au niveau des manches là. Un peu les manches évasées. Franchement, j'ai adoré. Les gars, je vais vous présenter un article, un dupe de chez Zara. Vous allez reconnaître direct. Il y en a plein qui galèrent à l'avoir sur Zara. Elle est tout le temps en rupture de stock. Et je parlais avec une fille, je me suis dit, allez, go la tester sur AliExpress. Les gars, c'est la même. Deux fois moins cher sur Zara, je crois qu'elle a 150, 170 balles, je sais pas, vers ces eaux-là, quoi. Je l'ai payé 60 euros. Regardez-moi cette beauté. En plus, vous allez voir, il y a l'étiquette Zara à l'intérieur. Franchement, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est exactement le même fournisseur. Après, je veux pas dire de bêtises, mais je pense fortement que c'est exactement les mêmes produits, les mêmes. Regardez-moi ce Bombers. Canon, je le voulais absolument. Donc je me suis dit, je le commande sur AliExpress. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est le même que Zara. Et en plus, non mais les gars, Zara, made in China, China plutôt, taille M. Bon là, il y a écrit 29,95€, c'est des gros mythos, donc je pense que ça doit leur coûter 29,95€. Moi, je l'ai payé 60 euros, mais bon, 60 euros à la place de Zara, je sais pas, 150 balles. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Je vous mettrai directement le lien, j'espère vraiment qu'elle est encore en stock, parce que go, go, go pour celle qui voulait choper celle de Zara. Donc, troisième article, c'est un petit set. Franchement, je l'ai vu sur Zara et je me suis dit, je vais prendre une photo. N'hésitez pas à regarder comment je fais juste en haut. J'ai fait une vidéo exprès là-dessus. Je l'ai pris en photo et j'ai vu qu'il était sur AliExpress. Deux fois moins cher encore, donc je me suis dit go l'acheter. Donc c'est un pantalon de costume. Oh, la qualité, mais incroyable hein, la qualité, vraiment une qualité topissime. Par contre, il n'est pas du tout repassé, donc voilà, c'est dommage, vous n'avez pas trouvé le résultat, mais franchement il est magnifique. Donc c'est un pantalon qui se présente comme ça, vraiment un pantalon costume en tissu, et vous avez le bas qui est vraiment très très large. Franchement, moi j'adore, vous me connaissez, j'adore ce genre de pantalon avec le blazer qui va avec. Vous savez que je suis une adepte des blazers, donc franchement canon. Sur Zara, il était super cher, je crois que c'était 59 euros le bas, 59 euros le haut, et là c'était 50 euros le haut et le bas. Je me suis dit, je vais le prendre. Et il y avait aussi plusieurs coloris, donc n'hésitez pas à checker. Et là, vous savez, vous avez les petites épaulettes là pour faire un petit peu ressortir les épaules. Franchement, trop bonne qualité pour le prix AliExpress, trop trop bonne qualité. Vous avez le petit bouton pour attacher. Vous avez là les petits boutons de la manche, franchement magnifique.
Magnifique ce petit set. Et là, vous avez franchement comme un blazer classique, hein, le petit trou là au milieu. Donc franchement, trop trop beau. Article suivant, c'est un dupe d'une grande marque. Je vous le mettrai juste dans la vidéo parce que sérieux, je me rappelle plus du nom, mais trop canon. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est un petit haut qui se présente comme ceci. Par contre, j'ai pris un petit peu petit. C'est dommage, j'ai pris taille M, j'aurais dû prendre taille L. Donc c'est un petit haut qui se présente comme ça. Donc vous pouvez attacher les boutons juste en haut ou les laisser un petit peu ouverts, c'est vraiment comme vous voulez, avec un petit col. Donc les manches toutes collantes au corps. Et là, vous avez un petit trou pour passer le petit pouce, pour ceux qui aiment. Et ce qui est canon, le pantalon, le legging assorti. Et là, vous avez les petits boutons devant pour attacher le haut. Je trouvais ça trop original. Franchement, je l'ai porté avec des cuissardes ou des bottes un peu pluie, avec une belle fourrure ou quoi. Et je trouvais ça magnifique, vraiment. C'est trop, trop beau. Vous l'attachez directement, tac, et ça fait en fait comme si c'était un ensemble, genre une combinaison. Et il est trop beau. Et le pantalon, il est vraiment très très large avec une petite fente, donc vraiment magnifique. Article suivant, j'ai chopé une petite robe blanche, par contre elle est transparente, je suis dégoûtée. Ça ne représentait pas du tout la photo que j'ai vue, pourtant j'ai regardé tous les avis. Après, il y a énormément de produits retour gratuits, donc je vais la retourner, heureusement, bien heureusement, sinon j'aurais pété un câble. Mais je ne sais même pas si je vais pouvoir la mettre, mis à part si je trouve quelque chose à mettre en dessous pour vous la montrer en vidéo. Mais c'est vraiment transparent. Et pourtant, je vais vous montrer la photo d'AliExpress. Elle était canon, je la trouvais sublime, elle taillait super bien. Mais là, les gars, c'est pas possible. Je peux pas mettre ça. C'est abusé. Même l'été, je me promène pas comme ça, quoi. Par contre, elle était super belle. Hein. Donc c'était une robe en laine comme ça, très 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 longue. C'est ça que j'adore, super super longue. Mais bon, franchement, à tester avec quelque chose en dessous, un petit body de couleur chair, avec une grosse veste peut-être pour cacher, avec un short ou quoi, mais bon, on va tout voir à travers. Donc c'est vraiment dommage, franchement, c'est le seul flop de cette commande. Mais donc c'est pour ça, faites quand même très attention aux avis, aux photos, etc. Moi, d'habitude, je fais très attention, mais je pense que j'étais tellement... Voilà, quoi, que je l'ai prise, mais faites très attention tout de même. Article suivant, c'est cette petite robe effet vache. Franchement, elle est trop belle. Je la trouvais trop, trop, trop belle. Elle est, vous savez, tissu un peu effet maillot de bain. Donc, elle colle super bien au corps. Elle n'est pas du tout transparente. Donc, les manches sont longues. Là, vous avez le col. Franchement, j'adore ce genre de robe. Et super, 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 super longue. Donc, je trouve ça trop beau. Avec des bottes, des cuissards, même des petites chaussures. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, trop belle. Article suivant, je ne l'ai même pas ouvert. On va l'ouvrir ensemble, mais il me semble que c'est une doudoune. Vous savez, les grosses doudounes larges. On va l'ouvrir. Ça sent mauvais. Donc voilà la petite doudoune. Bon, là, on vient juste de la sortir du colis, donc elle est assez, assez serrée, mais ça fait vraiment un effet, vous savez, oversize, vraiment très très épaisse, etc. Donc on verra bien quand je vais pouvoir la porter. De toute façon, suivez-moi bien sur Insta, je vais dénicher des petits looks assez sympas avec tous ces articles. Mais franchement, elle est trop belle, hein. Elle coûtait 20 balles, les gars, 20 balles, alors que sur Bershka, Zara ou même des sites indépendants, elle est à 60, 70, des fois même 100 euros pour une doudoune comme ça. Là, je l'ai payé 20 balles, il y avait toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas aussi à bien regarder, franchement elle est trop belle. Donc elle se présente comme ça, c'est une doudoune classique, hein. Donc je vais essayer un petit peu de faire effet, hein. Donc voilà, vous avez la petite capuche. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Comme mon copain qui est en face, il déteste les doudounes avec capuche. Mais moi j'adore. Quand il pleut, quand vous avez la flamme, tac tac tac, incognito. Et franchement elle est trop belle. J'ai pris cette couleur parce que je me suis dit que ça fait assez beau quand c'est clair, crème, etc. Parce que j'ai beaucoup de vestes noires, vous savez, très foncées. Donc je me suis dit, canon, ça fait une veste de plus dans ma garde-robe, je suis trop contente. Dernier article, j'ai toujours pas ouvert aussi, je crois on l'a reçu hier ou avant-hier, non. J'avais trop hâte de recevoir le dernier colis pour vous faire ce petit haul.
Cet article, je pense qu'il va plaire à tout le monde. Il était en plusieurs coloris, donc je l'ouvre et je vous montre tout de suite. Donc c'est ce petit ensemble, vous allez voir, quand je l'ai vu, je me suis dit, mamma mia, il me le faut. Il était en rose, en vert, en bleu, vraiment toutes les couleurs. Donc c'est un pantalon comme ça, bon lui aussi le pauvre, il était dans le colis, donc il faut vraiment le détendre. C'est un pantalon, tac, vous savez, effet coton en laine. Et tac, en bas c'est très très large, vraiment les pantalons que j'adore. Donc ça c'est le pantalon et vous avez le haut. Il faut aussi que je le détende. Donc c'est un pull comme ça avec les petites épaulettes. J'adore, je trouve ça vraiment trop classe. Par contre j'ai pris taille M et j'aurais aimé qu'il soit vraiment large, j'aurais dû prendre taille L. De toute façon vous allez voir comment il va, il faudra bien le détendre. Tac, donc c'est un pull basique que vous mettez comme ça avec le pantalon, avec des petites chaussures, celles que je vous avais présentées sur mon dernier haul naked, qui sont super belles, vous savez, les petits mocassins ouvertes là. Donc trop belles, franchement, trop beau ensemble, le pull, le pantalon, j'adore, avec des petites chaussures, magnifique. Donc voilà les gars, ce petit haul est déjà fini. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de me dire l'article que vous avez préféré. Et si vous aussi vous adorez dénicher des petites pépites sur AliExpress, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, vous vous abonnez, vous activez la cloche, mais je pense que c'est fait. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous les gars, mouah !